Marty, on y va. Oh putain, tout ce qui sort. Salut à tous amis, c'est YouTube et on est reparti dans The Walking Dead. Instinct de survie, hein. J'espère que vous allez bien, on est ici pour l'épisode 3, hein. Alors on s'était laissé avec notre ami qui nous avait demandé si on n'avait pas de... enfin qui veut savoir, il attend il attend le nouveau shérif apparemment, et je pense que le nouveau shérif est sur le toit, hein. Il parlait d'un adjoint je pense, hein, où l'adjoint était dans le truc de connaissance, mais je pense que c'est lui. Alors j'allais dire, il nous avait demandé de la bouffe, hein, donc on lui avait donné, on l'avait trouvé dans le magasin et on a eu des munitions, on a ramassé beaucoup de choses, au lieu de faire la quête, on va dire normale, la vite, hein, ou il y en a qui font comme ça quoi, il n'y a pas de souci. J'ai fait des petits trucs annexes et c'est vrai que franchement ça donne une longueur de vie au jeu et c'est sympathique pour vous. Je le sens. Je sens que ça vous plaît les amis, je sens que vous marrez avec moi, je sens que vous avez pris une belle panique avec moi. Hein. Il manquerait plus que ma petite tête là en haut pour vous. Vous voyez ce qui se passe, hein. Mais ça. Peut-être que je vais sauter le pas et je vais peut-être faire ça. Alors n'hésitez pas les amis à voir l'épisode 2 de The Walking Dead. Hein, que je vais certainement afficher ici maintenant présent. Maintenant. Ici au-dessus le lien, ou alors il sera dans la description, ou vous allez dans la playlist. Allez, on y va les amis, on continue. Donc on cherche quoi nous dans tout ça, parce que tant que j'ai pas joué, attendez, on cherche quoi dans tout ça. Donc trouver les vivres, c'est fait. Trouver qui pourrait vous échanger des vivres, c'est fait. Rapporter les piles à Blake, donc on doit rapporter les piles à Blake et trouver l'oncle Warren dans le camp du Mobilhome. Ça c'est la quête principale. On va faire les optionnels. On va vraiment bouffer le jeu quoi. D'accord. Allez, on y va les amis. On a pris ce qu'on avait besoin. On va aller fermer sa porte. Hein. Je vous dis, moi je suis un dingue, je fouille tout et j'adore faire ça. Ça c'est mon kiff. Ça c'est la porte de notre copain. On continue. On prend cette porte là. Je pense que ça c'est les escaliers et ça c'est quoi encore? Et un code là, c'est quoi ça? Putain! Ah c'est dommage! Ah je parlais. Ah! On aurait pu avoir. Donc je suis certain qu'on a dû les vivre, ils nous donnent peut-être le... On va faire gaffe les gars. Voilà, on était ici. Donc, moi je vais continuer. C'est peut-être une connerie mais je sais pas, je sais pas. J'ai envie quoi. Toi je sens que t'es pas mort. Déjà de 1. Si t'es mort. T'es pas de flingue. Ok. Bah, je pense qu'il n'y a rien les amis. Hein. Et vous voyez. Ben voilà, ok, on a tout fait, on a tout fait. Ça on se retrouve en bas dans le commissaire. Ouais, c'est pas con. On peut aussi pousser le truc pour qu'on arrive à passer après. C'est pas plus bête non plus. Mais est-ce qu'on fait pas une erreur en faisant ça? Écoutez, on va redescendre.
je crois qu'il bougeait. Ah, si, c'est bon, il est déjà à fond. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est aller par là, je pense. Hein. Ouais, ça c'est bon, ok. Il y en avait un qui bouffait, il est mort. Il y en avait un qui bouffait les corps. Là, non, il est mort. Ok, c'est bon. Ok, ok, ok. Toi, j'ai pas confiance du tout. On peut pousser là. Je sais pas si je fais une connerie, mais en tout cas, je la fais quoi. Maintenant, on pourra passer par là. Le commissariat, maintenant, c'est à gauche. On a plusieurs, plusieurs moyens de fuite. Je passe par là, je préfère. Je suis plus exposé, mais voilà quoi. Regardez, enculé, regardez. Crée en forêt, va. Et lui, regardez. On va voir ce côté-là encore. Encore une fois. Rien, toujours la même connerie. Alors on va porter les piles hein, à notre ami le petit flicard là. J'espère qu'il ne va pas nous faire une entourloupe lui. Désolé, je bois un coup les amis. Hein. Allez, tiens. C'est ce que vous avez besoin. Juste right. Je vais run le scan. In the meantime, I've got you covered. I'll be ready to leave town when you are. Meet me back at the north side of the barricades, then. Yep. Look forward to getting off this roof. That works.
Make sure you're there when we go. You're gonna get left. You got it. Et voilà comment se fait un pote supplémentaire, les amis. Moi, je vous le dis. Oh, on va sûrement pas passer par là, ça c'est clair. Ce que le team nous attend. On va faire l'inventaire, il nous reste quoi? J'ai dit l'inventaire. Alors, il nous reste. Allez, merde. Une. 4. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bien, les gars. On est bien, on est bien. On est bien. Maintenant, on doit aller en face. La série c'est de la merde, ça qui fait chier. Je t'entends. Putain, je flippe, les gars, je vous jure, je flippe. C'est dingue, hein. Il y a des jeux plus chiants que ça. Laissez-moi réfléchir. On doit faire quoi? Non, on doit faire quoi? On doit faire quoi? On va se cacher. On va se mettre là. Alors. Trouver donc le Warren dans le camp. Putain, le plus facile, quoi. Bande d'enfoirés. Ouais, je suis obligé de passer par là. Par la porte juste là. Croyez-moi que ça va venir chaud là maintenant. Là j'ai fermé, c'est très bien. Radical, c'est par là, moi je dis. Pourquoi il y a des lampes là? Je sais pas. Je sais bien, vous dites, pourtant il y en a un flingue, qu'est-ce qu'il fout? Il y en a un là. Il y en a un là, les amis. Juste là. Il y en a en face. Terminé. Alors, 4. Je vais en prendre un. Voilà, ça monte à fond, vous voyez? Ça monte à plus de la moitié, donc c'est beaucoup mieux. Je continue mon petit tuyau. Je me sens bien avec.
Le camp est par là. On m'appelle Bill Green. Trop fort, personne m'a vu les gars. Non, tu m'as pas vu toi. Tu m'as pas vu mec. Tu m'as pas vu, j'ai joué vraiment ça à la hardcore. Tu m'as pas vu du tout. Oh putain, tout ce qui sort. Ouais, franchement les gars, balèze non? Un ou deux encore, ok. Allez viens. C'est bien. Connard, va. Connard.
Et merde, hein. Il me reste combien encore? Il me reste plus qu'un et une fiole. Pfff. Et on y va. Il y avait moyen de passer par un autre côté en faisant péter un truc, je crois, une porte avec une radio bizarre. Mais voilà quoi. Puis rapide par là. Et on va pas s'en priver. Je bouge pas plus. Je suis pas con. Ah, t'es là, connard. C'est toi. Génial. Et... That's it. Big thanks. Putain. Eh, génial. Génial. Sans utiliser un flingue. Sans utiliser le flingue, hein. Franchement. Yep. Ça, son service. Ok. Est-ce que je peux courser? Non. C'est parfait jusque-là. Hein. D'accord. Rien. Attends, je pars là parce que je crois qu'il y a quelque chose. Allez, on y va. Hey, you got it? Je vois un petit coup. Open the guinea cake. Are my dad and Uncle Lester behind you? Just get the palms on, okay, Warren. Oh. Okay. Ouais, mec, ton oncle, désolé, mais... Il est comme qu'il dirait un petit accident. Okay, where's your car? Attends, non, j'ai un petit truc à faire aussi. Attendez. J'ai un petit truc à faire. Si je suis pas con. Si j'allume la radio direct après, non? Allez, oh. Génial. On se casse, les gars. Oh.
Eh, franchement, le flic, il était cool. Il était cool. Je me fais un carton. Allez, je me fais un carton. Un petit carton. Et dans moi, deux, trois, quelques balles. T'es enculé. Merci mec. Ah c'est bon, allez, j'arrête. J'arrête. Terminé. Ah, je suis mec, t'es là, mec. Mais j'ai envie de m'amuser un petit peu, tu comprends. Comprends-moi. J'ai pas fait ça tout ça pour rien. Putain de merde, les amis. Eh oh, salut. C'est con, hein. C'est un peu passé, bande de merde, hein. Merde. Sans le viseur. Oh. Ah ouais. 2 sur 3 sans viseur. Encore un. Oh. Allez, si je le rate, j'arrête. Celui qui bouge le plus... Oh, je suis une merde. Allez, j'arrête, les amis. Plus de danger, je pense, hein. C'est parti, on y va. Putain. Pfiouf. Génial, Jimmy Blake a rejoint le groupe. Warren Bedford a rejoint le groupe. Objet récupérable. Continuez. Jess a pu obtenir avec 2 rations. C'est bien ça. Il a perdu un peu de vie, mais c'est bon. Cool. Continuez. Et on a une belle petite équipe maintenant, hein. Donc inventaire, pick-up, punaise, terrible. Donc inventaire. À déposer. Ration 2. Non, c'est niveau véhicule. À déposer. Transférer. Essence 33. Putain, le mec, il s'est pas foutu notre gueule. Bouteille en verre. Ah non, c'est nous qui a fait le plein, c'est juste. T'es d'accord, survivant. C'est bon ça. Pourquoi 3 sur 2 ? Warren Bedford, on a quoi? On a Jimmy Blake. Préfère les pistolets, préfère les fusils. 100% agent de police, c'est bon ça. Jess Collins, 57 ans, on m'a tout faire, ne peut être renvoyé. Celui on peut pas. Donc apparemment les autres oui. Ouais, celui-là aussi. Celui-là c'est 75 sur 75 de vie, discret, préfère les armes contendantes faibles. Donc préfère les canifs, quoi, tu sais, les couteaux. À la fufu quoi. Préférer pistolet, préférer fusil, d'accord. Et c'est terrible, on peut les renvoyer. Trop de passagers. Choisissez qui renvoyer. Mon choix est fait. Hein. Renvoyer. Hein. Et si je fais ça? Putain. Heureusement. Voilà, je le renvoie lui. Je suis désolé mec, mais voilà quoi. J'aurais bien voulu te garder, mais...
Sélectionner véhicule, on a celui-là. On a celui-là. 10 places. Place. On a que 2 places. T'as fait chier, hein. Allez, on y va. Voulez-vous vraiment continuer? Ok. Voilà. Bon. Alors. Le camping de Smoky Mountain est un lieu de refuge pour les habitants du comté de Pemberton. Grâce à la présence des gardes forestiers et de la caserne des pompiers. Caserne, ça peut être bon, ça. Là. Donc, je vais montrer là. Et là. Garwater. Écoutez, on va prendre là. Garwater. Forte consommation d'essence, arrêt fréquent. Rue. Consommation d'essence moyenne, arrêt rare. Autoroute. Faible consommation d'essence, arrêt très rare. Et on va faire un juste milieu, on va prendre les rues. D'accord. C'est parti. Destination et... Ah ouais, jouer. Voilà. C'est parti les gars. C'est parti. Alors je monte juste ça et on va se laisser ici. Hein. Je crois qu'on s'est bien marré. Désolé. Il y a même mon... Ouais, putain, je suis en train de tout rater la cinématique, merde, ouais, c'est vrai. Ah putain, j'ai tout raté, je suis dégoûté, c'est rien, on la remettra après, enfin, on la remettra plus tard, vu qu'on va la voir. Là, je prends le chargement, le camping Smoky Mountain est un lieu de refuge pour les habitants de... Jusqu'à le tuer. Non, j'ai peur. Et voilà les amis, moi je vais vous laisser ici. Hein. J'espère que les épisodes, que cet épisode vous aura plu hein, autant qu'à moi. Hein. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à le regarder qu'à moi à le faire avec vous. Hein. Alors, on se retrouvera dans un prochain épisode. Hein. On essaiera de faire des épisodes de 30, entre 30 et 40 minutes. Hein. Alors j'espère que cet épisode vous a plu hein. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime comme d'habitude hein. N'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé bien sûr de mettre un commentaire, mais si vous en avez envie, il n'y a pas de souci hein. Allez les amis, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou une très bonne journée à vous, et à vous dire à l'épisode prochain qui sera le 3 ou le 4 si je ne m'abuse. Salut à vous les amis, merci.